Well, the big eight wheeler over down the track means your true loving daddy ain't a coming back, 'cause I'm a moving on. I'll soon be gone. Alors, aux côtés de Mickaël Desangle, pas facile de comprendre cette course. Qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer comme ça, quelques minutes après l'arrivée ? Bon, on est forcément un peu déçus, mais c'était une course qui n'a pas été très vite. On était un petit peu loin, c'était quand même très difficile de revenir. Cela dit, je pensais en plus qu'il était peut-être un petit peu émoussé de sa course dans la Caulfield Cup. C'était un cheval qui n'était pas à 100% ce jour-là, qui a vraiment donné tout ce qu'il avait. Et il s'en est peut-être un petit peu ressenti aujourd'hui. Et quel est son programme désormais ? Il va rentrer, je suppose, en France ou il va rester là pour d'autres courses ? Non, on va voir comment il récupère et puis on va peut-être l'emmener à Hong Kong pour les Hong Kong Vase. Il a gagné l'année dernière, donc là il y aura peut-être plus de trains. Il y aura plus de trains, enfin je sais pas, mais bon, déjà c'est une course où tout le monde aura le même poids. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui en plus il portait quand même 59 kilos, par rapport aux autres ça faisait quand même pas mal. Mais non, on va voir comment il récupère, s'il semble bien, on va peut-être aller là-bas. Merci et bon voyage. Merci Mickaël.